Salut à tous, c'est Mr Freeze et on se retrouve pour la suite de Zelda, ce Minish Cap. Ouais, c'est que j'ai appuyé sur une touche sans faire expérience, c'est pas qu'il y a une scène. C'est ce qu'on appuie sur Select, il nous dit quoi faire. Donc là, faut aller au prochain élément, c'est le marais de Tabanta. Qui se trouve par là, je crois. La carte. Ouais, il se trouve là. Ah, je sais même pas qu'on peut défiler comme ça. Du coup. Ah, il me semble que j'ai un nouveau truc à faire. Ok. Voilà. Maintenant, on peut faire ça. Ah, si, c'est ça. C'est un peu bizarre parce que c'est le même bouton pour le menu de la carte et l'autre. Ça, c'est des octoroks bleus, alors il me semble qu'ils sont un peu plus résistants que les rouges. Voilà, on les tue en un coup, elle, alors qu'avant, il en faut les deux. Merde. Je voulais la balancer avant qu'elle explose, comme dans les films, mais ça n'a pas marché. Donc, on va s'occuper de Boomerang. Ah, retour de Boomerang. Ils sont vraiment des vaches, les mobs, là. Pas mal. Alors je sais pas vous, mais moi quand il y a plein d'herbes comme ça, ça me donne envie de tout couper. N'importe quoi. Donc il dit qu'il a perdu un fragment, mais on peut pas faire d'échange avec lui. Voilà, on va faire ça, ça fera un raccourci. Et là, on dirait bien qu'on peut mettre une bombe. Alors, si vous n'êtes pas sûr, pour vous voulez pas gâcher vos bombes, vous tapez comme ça et ça fait un bruit différent normalement. Ça fait tung tung, alors que ça fait ting ting sur les murs normaux. Du coup, ça c'est fait. Et voilà, au bois de l'Ouest. Voilà, donc en gros il possède le roi. Ah, c'est vrai qu'il vole les rubis, salaud. J'ai hâte de me tromper de truc. Alors on est où là? Alors ça c'est grâce à un fragment qu'il faut l'ouvrir. Merde. J'aurais pas dû faire ça. Voilà, là encore pareil, il faut un fragment pour le tronc d'arbre.
Voilà au marais de Tavanta. Mais, petit problème, vous allez voir. Je vais pas vous montrer. Hein. Eh oui, on ne peut pas traverser. Je venais juste pour la scène et pour vous montrer ça. Qu'est-ce que ça dit? N'oubliez pas vos bottes de Pégase, ben voilà. Vous avez compris ce qu'il faut faire. Et ça tombe bien, puisqu'il y a un cordonnier. On va visiter un peu la région quand même. Ok. C'était très instructif. C'est ça la force du boomerang, c'est le retour. Hein. Ah mais c'est le haricot, bah il faut... Ouais, faut l'arroser avec de l'eau. Sauf que je n'ai pas d'eau. Il va nous falloir... ouais, il va falloir qu'on remplisse d'eau ce truc parce qu'il y a une fée dedans en fait. Et... On a pas de l'eau dans le coin. T'as encore un truc... On peut pas passer. Où est-ce qu'il peut y avoir de l'eau? Dans les marais ça marche. On va voir. Ah bah là peut-être. Ça, j'ai l'impression que c'est juste du sol. On va relâcher la fée, tant pis. Hein. Non, ça marche pas. Il faut de la vraie eau. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut de l'eau normale ou l'eau verte du gong? C'est ça le... la question. Ça a l'air de faire grand chose, donc c'est peut-être de l'eau verte du gong qu'il fallait. Je vous avoue, je me rappelle pas du tout de ce truc. Bah on verra. On verra plus tard, de toute façon on s'en fout. Nous sortons d'ici. Je crois qu'il y a rien d'intéressant là non plus. Ce sera mieux qu'on aura plusieurs flacons. Tiens, bah je vais voir s'il n'y a pas de flacons à vendre. Alors, il y en a un qui vend un flacon, il me semble. Ici. C'est pas lui? Non, il vend des nectars, mais pas de flacons. Bah, ça doit être lui, hein, celui qui est pas encore là. Bref, on s'en fout. On va aller à l'est. Parce que je pense qu'on s'est assez baladé en ville. Dans la dernière vidéo. Donc normalement on peut aller directement voir le cordonnier, mais je vais d'abord faire ça. Il est où la ferme? Il m'appelle comme ça. Oh, un goron. Sort quoi, mais j'adore les gorons. Je sais pas, ça me fait trop rire, c'est... bête des montagnes. Baby. Quand on a des enfants de 8 ans. C'est pas là que je voulais aller en fait. Attends. Queen de la... C'est au-dessus en fait.
Ça, c'est pas la ferme longue. Ah, voilà la ferme longue. Du coup, ils sont où? Voilà, c'est ça. Normalement, on peut rentrer par, par là-bas. Faire le tour. Ouais, mais je peux pas faire le tour par là. Bon, fait. Je suis sûr qu'on peut le faire à ce moment-là, normalement. Passer par l'autre côté. Du coup, faut faire tout le tour comme ça, ok. Vous en faites pas, on va continuer le jeu après. Dégage. Ah putain. C'est le bordel. Bon, ça c'est un coffre qu'on avait fait apparaître. C'est pas du tout ce que je voulais faire, hein, mais c'est pas grave. Je suis en train de me paumer complètement en fait. Mais bon, au moins on récupère des trucs qu'on n'aura pas à récupérer plus tard. Du coup, comment je peux aller là? Faut sortir par là. Putain, mais. Mais non, faut prendre la tornade. La tornade. Est-ce qu'il faudrait passer par là? Non, bon, ça c'est encore autre chose. C'est des fourbes, c'est fait. Voilà, on a la grande bourse. On va faire la suite du jeu parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc on va aller chez le cordonnier. Le cordonnier qui est en dessous du coup. Et là. Hop. Voilà, donc maintenant il faut aller voir Sirup pour réveiller Sopor, pour qu'il nous fasse des bottes de Pégase, pour qu'on puisse traverser le marais, pour qu'on puisse atteindre le donjon. C'est un peu le bordel. C'est du Zelda. C'est faire 250 trucs pour arriver à un endroit.
C'est parce qu'en fait, il faut aller plus haut pour aller à droite. Parce qu'au début, je cherchais comment aller à droite. Voilà. Ok, donc là, on est à la ferme. Putain, mais je suis quasi sûr qu'on peut déjà faire en mini. Ah bah si, voilà. Ah, mais elle était devant, cette pute, aussi. Bon. Pardon. Donc, fallait faire le cordonnier avant. Bon. C'est pour ça que j'y arrivais pas. C'est n'importe quoi, j'ai la clé, mais je peux pas ouvrir. Je suis obligé de faire comme ça, quoi. Je pensais qu'on peut aller voir Sirup directement sans passer par le cordonnier, mais non. Bon bah on va passer par là. Alors, on peut venir là en mini, je sais pas à quoi ça sert. Voilà avec Zelo tout le temps hein, qui fait des commentaires inutiles. Ah oui, d'accord. Alors quand ça brille comme ça, c'est qu'on peut faire tomber des trucs de l'arbre, il me semble. On peut faire tomber les feuilles de l'arbre. Pour le transformer en truc, pour se transformer en miniche. Mais je crois qu'on peut pas encore. Hop, raccourci. Je sais pas s'il fallait se mettre en miniche tout de suite. Il y a trop de trucs à faire. Bon alors attendez, on va faire ça d'abord. Je suis désolé, c'est pas très... c'est un peu le bordel, ouais. On peut le dire. Mais au final, on arrivera à tout faire, hein. C'est peut-être pas le meilleur ordre pour le faire. Alors ça nous emmène où? Là-haut. Alors, Sirup. En bas, donc on va aller à gauche. Juste pour ça. Voilà. Faut me débloquer tous les trucs comme ça, au moins. Au moins ce sera bon. Alors, faut qu'il aura rien. Du coup, Sirup, c'est là? Non. Ça, c'est l'autre temple. Ok, la Sirup. Bah là, juste à gauche, ok. On peut même récupérer tous les trésors qu'on a laissés. Voilà, elle vend également de la potion bleue qui permet de régénérer les points de vie. Et ça se met dans un flacon, mais on va pas le faire. Ah, il y a plein de cœurs ici aussi.
Je sais pas si on va revenir là plus tard. Bah dans le doute, on va aller récupérer les trésors. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment. Mais... quoi qu'attendez, on est où? Ouais, non. On va pas y aller maintenant. Parce qu'on va revenir ici plus tard. Ça sert à aller où, ça? Ok. Donc là, on a fini, de toute façon. Là, on a juste à rentrer avec le champignon chez le cordonnier. Pour qu'il fasse les bottes. Putain, mais il tombe avant. J'hallucine. En fait, c'est trop mal foutu le truc du vol parce que. Là, vous voyez, je fais gauche plein de fois, ils s'en bat les couilles quoi. Pour être poli. Ouais, on peut pas. Je pense qu'on peut pas encore. Bref, on s'en fout. Alors, attendez, j'ai juste oublié un truc dans la ferme, il me semble. Vérifier. Non, je peux pas. Parce qu'il y avait un truc avec de l'eau. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est pas là, du coup. Il me semble qu'il y avait un truc en mini-niche aussi. Ouais, là. Sauf que j'ai pas de... merde, j'aurais dû pousser le truc aussi. De toute façon, là qu'il y a, on va y retourner. Donc, bah écoutez. Parce que vous voyez le truc là, tout à droite, ça c'est le... c'est le donjon. De l'eau. On s'en fout. On va partir. On va récupérer les bottes de Pégase et puis on verra ça plus tard. Toute cette zone là, là, forêt de Tiloria et là qu'il y a, on verra ça quand on ira à l'autre donjon. Parce que c'est pas loin. Faut juste s'en souvenir. Donc retournons voir le cordonnier. Oh. Faire ça, hein, ça coûte rien. Je viens d'y aller et c'est maintenant qu'elle me... tant pis. Voilà, donc ça c'est vers le château. On ira plus tard. Il est où le champignon? Ah, il est là. Ah, pour tourner en mini-niche, je suppose. Connard, je suis allé depuis. Saute de ma gueule. Comment on fait? Je ne me souviens pas. Pourtant, je suis certain qu'il faut juste faire ça. Hein. Est-ce qu'il faut lui parler ou... ah oui, voilà. C'est marrant, il s'appelle Sopor, ça fait comme soporifique. Je pense que c'est fait exprès. C'est des problèmes de chaussures. Voilà, donc on a les bottes de Pégase maintenant. Et c'est assez sympa. Il me semble qu'en maintenant l'épée. Non? Il me semblait. Faut pas foncer avec l'épée comme dans Mitsuo Koni. Bon, tant pis. Ok, donc bah écoutez, on va terminer la vidéo ici. Enfin, on va aller au marais avant. Ce sera mieux. Voilà, donc c'est...
tout droit. Alors, c'est par où? Je sais pas si c'est là ou plus bas. Non, c'est là. Voilà, dernière roulade de la vidéo. Ok. Encore une? Non. Ok. Voilà. Donc, prochaine vidéo, les marais de Tamanta qui vont nous amener... C'est assez long, hein, c'est un peu comme le mot gongle. Ça va nous amener au prochain donjon. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour le marais de Tamanta. Salut!